Bien salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans invocation sur Dabi, on enchaîne direct. Pas le temps. 5 minutes devant moi. Laisser un Nigo. J'espère que vous allez bien. On va partir. Bon, 2 multi. Et si cette invoque, si cette single. On démarre avec une multi et 10 singles. Imaginons que je drop ici. Ça va être le fait. On démarre. Petit pouce bleu, comme vous le savez. Et on s'abonne à la chaîne. Alors, je vais te choisir. Yes! Première multi, je drop. Incroyable. Oh! C'est incroyable. Incroyable. Monter double S. Parti. Ou non. On va pas grid. On va pas grid. On va voquer ici. Et ici. Que je drop l'une de ces deux cartes. 3, 2, 1 et 0. Non, j'ai pas drop. Ok. On va garder un peu. On va refaire une vidéo invocation dans les prochains jours. J'ai été très chanceux là-dessus. On va aller le monter de suite. Là. Eh bien, très chanceux. On va. Charlotte, testé. J'ai de quoi le monter jusqu'au niveau max. Hein. Et bien, premier vilain de la boxe. Ça, c'est cool. Rapidement, passe les 400K. Pense que d'ici fin du portail, je vais refaire une session invocation. Bah, je suis content là. Hein. Vraiment, je suis content. Doublon, première multi, mais c'est incroyable. Hein. Où là, il est niveau 30. Monté niveau 80 au début. Il le farm niveau 120. Cette unité, je la voulais depuis longtemps. Je pensais pas que j'allais drop sur la première multi réellement. Ok. On va partir le tester après, de toute façon. Bon, on fait ça. Ok. Dites-moi en commentaire ce que vous avez drop, les gars. La chance est revenue de pour ma part. Content. Il, on va monter tout ça. Incroyable, là. Ok. Talent. 122K. Par plaisir. N'importe quoi, on regarde. Un peu moins, je pense que je vais monter les deux droites. Ça va être plus intéressant que cela. Mais après, je gagne plus de dégâts et je réduis la défense avec ça. Mais en soi, ok, ouais, je préfère. Focaliser sur les dégâts, la pénétration. En plus avec ce que j'ai derrière, je pense que je peux aller acheter.
Ah. Et violet. Pas qu'il me faut du violet. Moi, j'ai de quoi monter. Ah non, pas du tout de quoi monter. On va faire, c'est qu'on va aller acheter ici. On va aller récupérer le dans le Supercop. Et on part dans le shop. Là, j'ai de quoi. Alors, du coup, héros. Talent. Ok, tout est bon. On va le faire plus tard. Ok, impeccable. On va aller le tester de suite. Event. Ou voir ce que ça va donner. Changer. Ouais, du coup c'est bien range comme je disais hier pour la petite analyse de ses stats. Ah le perso. Bon. Ok. Ah c'est cette attaque là. Il y a une bonne distance d'attaque en vrai. Et l'ultime. Ouais, c'est pas mal. Le voir, le perso, il est super intéressant. Ah, il est incroyable. Hein. Après, je me demande ce qu'il va donner en PVP. PVP et je dirais quoi d'autre? Oh. Il frappe en zone. Il frappe en fait, il frappe en ligne. Ouais, vraiment, son gameplay il est incroyable. On va partir sur 2-3 autres multi après d'ici une petite semaine. D'ici le 10. Il a de la régène. En vrai, je le trouve largement plus intéressant que Endeavor d'un point de vue gameplay. Niveau burn, niveau brûlure, il est bon de très gros dégâts. Ok. Je pense que aujourd'hui, on fera 2 vidéos. On va bientôt terminer. Ok. Ah, on va terminer ce niveau. Pour un test plus approprié, moi je vais montrer niveau 90 bien sûr. Contre autant de barres de vie, c'est un peu lourd pour la vidéo là.
En vrai, le mieux c'est de charger sa jauge d'alter et après d'utiliser ses compétences. Oh, je l'aurais quasiment 3 quarts de skill. Ok, ouais. Barre explosion bon, vraiment PVP auto lui c'est carnage hein. Et on est à 11 minutes de vidéo. Ok, on réduit un peu, sinon ça va nous prendre une minute. Ok, on a terminé ce niveau. Et le reste, on le fera d'ici ce soir dans une autre vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. On a fait le test, les invocations, mock trial ce soir et test du perso par la même occasion. Ok. Je vous dis ciao et à la prochaine.